bien, salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 19 juin et il est 15h, nous avons donc une nouvelle puce, c'est la puce numéro 48. Utilisez la pioche Vox pour frapper le nain de jardin à côté d'un trône au sommet d'une montagne. Alors on va mettre la pioche Vox en question, donc c'est la pioche qui ressemble à un petit micro, c'est celle-ci. Et je vais vous retrouver sur la map pour vous montrer où c'est les gars, à tout de suite. Alors voilà, on se trouve les gars sur la carte de Fortnite, il va falloir vous rendre à cette montagne-ci. Et donc descendre à pic comme je suis en train de le faire les gars. Une fois arrivé à cette montagne, vous allez voir sur la partie supérieure, la plus haute de la montagne, normalement il y a une cuvette donc de toilette qui date de l'époque de Flush Factory. Et au niveau de cette cuvette de toilette, donc le trône, hein, c'est le jeu de mots avec le trône, vous allez voir qu'il y a un nain de jardin. Et ce nain de jardin, il faut l'exploser tout simplement. Regardez, il est là. Hop. Et du coup, une fois que vous allez l'exploser, vous allez pouvoir avoir la puce. Donc voilà, la puce numéro 48. Utilisez la pioche Vox pour frapper, etc. Donc je vous retrouve sur la carte pour vous montrer, plutôt sur le menu pour vous montrer à quoi ça ressemble, les gars. Donc cette puce numéro 48, rien de très compliqué, les gars, à part avoir débloqué la pioche Vox dans le pass de combat pour pouvoir l'utiliser pour casser ce nain de jardin en question. Avec justement toutes les puces que je viens d'avoir, on vient de débloquer à l'instant avec 65 puces, donc le sac à dos. Et là surtout on vient de débloquer l'entièreté de cette image qui est assez cool les gars. En tout cas j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like et le code créateur Telmo-Lopez. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux, Instagram, et allez sur Discord les gars parce qu'il y a plein de news directement sur place. Et surtout le plus important c'est de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.